La teshuva, c'est le mot générique d'un processus d'évolution. Repentir, c'est un processus générique, ça. Il ne faut pas confondre la teshuva comme étape du processus, par exemple dans mes 7 R ou dans tous mes R, avec la teshuva comme concept fondamental de réparation des vases brisés. La teshuva se fait à partir des réparations et au fur et à mesure des réparations, il y a du renouvellement. Qu'est-ce que veut dire le renouvellement d'un point de vue puriste dans la Kabbale? La capacité d'accueillir plus de lumière. Se renouveler, c'est devenir un vase qui peut accueillir plus de lumière, qui est de moins en moins fêlé.